سعداء جدا باستقبال مدام إيناس الخليفي شارجي دو كوميونيكاسيون إزيت أفريك فرانكوفون. مدام إيناس الخليفي مرحبا. قرب لي شوية للميكرو. هبط الميكرو هكا بحذاك باش نسمعوا. صباح الانوار مرحبا. صباح النور. ميرسي. شكرا على قبول الدعوه. يفضلك. عايشك. يحضر معنا مسيو بونوا غرونينفالد اكسبير ان سيبر سيكوريتي شي ايزيت فرانس اي افريك فرانكوفون. مسيو بونوا بيانفينو parmi nous. Bonjour, merci. Bonjour, monsieur Benoît. On a parlé avec madame Inès Lakhlif. On a parlé de l'intelligence artificielle. الحديث عليها كبير الايامات هذه والتاثير ايجابي كبير قاعد يتحكي عليها الايامات فاش نجموا نستعملوها. Quels sont les usages de cette intelligence artificielle, monsieur Benoît? L'intelligence artificielle est utilisée depuis plus de 20 ans, à la fois dans le grand public, mais également dans la protection, la cybersécurité, la protection de tout ce que nous avons autour de nous, parce qu'aujourd'hui, on est entouré par des ordinateurs, des objets connectés, et ces objets connectés peuvent être utilisés par les cybercriminels pour nous attaquer et gagner de l'argent sur notre dos. Voilà, donc qui m'a parlé Benoît, l'intelligence artificielle qui est le plus important pour nous utiliser dans le domaine de la cybersécurité, pour nous protéger ou nous. La base, c'était le but principal, c'était la protection. Elle est toujours présente à 20 ans. وحاجة عندها دي بينيفيك عندها حاجات إيجابية. إيجابية من الأول. حاجات إيجابية. السلبيات نتاعها اليوم شنو؟ خاطر احنا توا قاعدين نحكيو على لو فينومين هذايا والشات جي بي تي الغول التكنولوجي الجديد نتاع الذكاء الاصطناعي. هل نجمو نستعملوها في حاجات خايبة تخوفنا اليوم؟ peut-on envisager d'exploiter l'intelligence artificielle dans un mauvais sens? On l'a vu, l'intelligence artificielle, notamment avec ChatGPT, est accessible au plus grand nombre et elle va permettre de créer, par exemple, des codes malveillants ou d'utiliser cette intelligence artificielle pour écrire des textes ou voire même les traduire, ce qui va permettre à des personnes qui sont néophytes et qui ne sont pas forcément des cybercriminels de tous les jours d'essayer de devenir des cybercriminels. Ce n'est pas tout à fait gagné directement, mais pour autant, on voit que ça peut permettre à certaines personnes d'accéder plus facilement à des opérations cybercriminelles. Voilà, donc moi j'ai mis l'internet اليوم يستعملوا برشا في شات جي بي تي. هو العدد فما عدد كبير نتاع عباد يستعملوا في شات جي بي تي. دونك عباد يستعملوها في حاجات ايجابيه عباد يستعملوها في حاجات خايبه. اليوم شات جي بي تي كيما يعاون كيما كيف يعاون المجرمين الانترنت انهم يستعملوها باش يلقاو les formules اللي يستعملوهم باش بيراتيو باغ اكزومبل يعطيك دي كيفاش لي فاي معناها يمشي يعاون يعطيك حتى لي زابليكاسيون اللي تستعملهم باش تبيراتي باغ اكزومبل ولا لي كود اللي تستعملهم في البروغراماسيون باش تبعث دي رانسوموير ولا. Donc نجمو اليوم نستعملو شات جي بي دي باش نجمو نستعملو في حاجات خايبه. Il y a eu une attaque de grande envergure il y a quelques jours, l'Italie qui a été touchée vraiment gravement, et puis un peu les États-Unis. On parle, il y a des doutes sur une cyberattaque globale. Même en Tunisie, il y a eu une mise en garde, mais ça reste toujours l'intelligence artificielle, ça reste toujours une arme à double tranchant. Ça, depuis le début, c'est une arme à double tranchant. Le numérique est une arme à double tranchant d'une manière générale. Il faut pouvoir bien l'utiliser et éviter que des cybercriminels ne s'en emparent pour nous mettre à genoux. Là, je vois, on est dans un studio magnifique. Si demain, le numérique s'arrête, s'il y a un rançongiciel qui attaque la radio, eh bien... الرانسون هي فديه فما برشا عباد ياخذوا لك المعلومات الكل ويطلبوا فديه حتى للي دول صارت على اذاعات في تونس صارت علينا قبل في اي اف ام في وقت ما فكوا سيستيم الكل وطلبوا فديه من صربيا. Vu le risque existant, comment se protéger en tant que particulier maintenant, parents ou enfants, comment faire pour se protéger? Pour commencer, il faut prendre conscience. Qu'est-ce que nous avons que ابي كصغار من الريسك هذا الموجود اللي قاعدين نحكيوا عليه.
Et il faut prendre conscience que, comme ici à la radio, tout ce qu'on a autour de nous, finalement, c'est un ordinateur. Le smartphone, l'ordinateur à la maison, l'imprimante, la télé connectée. Aujourd'hui, tout est ordinateur. Donc, il faut commencer par mettre des bons mots de passe. Parce que grâce à un mot de passe trop facile, si moi je connais vos habitudes, je sais que je vais aller sur votre adresse email et je vais pouvoir rentrer votre adresse email, je la connais. Et après, je vais essayer le mot de passe avec le nom de vos enfants, le nom de votre chat, de votre chien. Donc déjà, avoir une bonne hygiène sur ces mots de passe, c'est un très très bon début. Donc voilà, aujourd'hui, on voit tout ce qu'il y a à connecter. Les ordinateurs في الدار كلنا جمع كلنا حاجات connectés وصلنا حتى أصلاً إنه les frigidaires par exemple ils sont connectés اليوم donc أول حاجة vraiment نبدأ نستعملوا فيها هي المود de passe. On doit vraiment يلزمنا نخمو في mot de passe يكون معقد compliqué avec les caractères معناها des chiffres des lettres exactement les majuscules وكل donc ديما نحطوا أي mot de passe simple راهو il est vraiment très facile à pirater في ساعة نجم نطلعوه في ساعة نجم et وقت اللي يكون عندي mot de passe نتاعك نجم vraiment ندخل في حياتك الكل Donc voilà, هذه أول pas نجمو نبداو ونشوفو فيها surtout pour les parents للأفراد معناها autant que أفراد أول حاجة نبداو نشوفو فيها هي لي mot de passe نتاع كل شيء عندنا لي réseaux sociaux ولا لي wifi كل شيء on commence par le pas كبيرة هي le mot de passe Donc c'est uniquement ça, uniquement les mots de passe. Alors ça, c'est un bon début. Et d'ailleurs, pour retenir un mot de passe compliqué et fort, le mieux, c'est d'avoir une phrase et une phrase positive. Parce qu'on risque de le taper plusieurs fois par jour, si par exemple, c'est pour déverrouiller l'ordinateur. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir d'être à Tunis. Je mets un 1, un 2, un petit arrobase. Et là, j'ai un mot de passe qui est conséquent et qui n'est pas difficile à retenir. Et après, il faut mettre à jour. Quand vous avez un téléphone et qu'on vous dit « mettez à jour votre système d'exploitation », il faut le faire. Parce chose que, qu'on ignore parfois. Souvent, on se dit que ça ne sert à rien, mais en fait, on va avoir des meilleures fonctionnalités, parfois des optimisations de la batterie, on va pouvoir mieux utiliser son téléphone et surtout, on sera plus en sécurité. Une mise à jour des protocoles sécuritaires. Notre grand spécialiste. Notre grand spécialiste. Merci, les mains beaux. Monsieur Benoît Grunewald, d'être là. في النهاية هل نعتبره ليا الانتليجنس ارتيفيسيال حاجة باهية ولا خايبة؟ فوالا En fin de compte, monsieur Benoît. Benoît, est-ce que l'intelligence artificielle, pour vous, la conclusion حاجة باهية ولا خايبة سهلة Est-ce que c'est une chose positive ou négative وربي معاك Alors c'est ça, c'est une bonne question. Alex, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Ah oui, mais bien sûr. Wallah, yahtarmou l'abed. Bravo, monsieur Benoît. Ça, il a eu sa réponse. Oui. Il aurait un ouled. Il faut faire France. Il faut faire France. Il faut faire France. Donc, c'est une très bonne question. Et juste avant, je dirais que quand vous avez un smartphone, je vois qu'il y a des smartphones Android, n'oubliez pas de mettre une application de sécurité dessus parce que. L'intelligence artificielle, pour répondre à votre question, elle peut être utilisée des deux manières. Donc, il y a des manières comme ChatGPT ou comme d'autres intelligences artificielles où ça va nous permettre de travailler plus vite, ça va nous permettre d'être meilleurs. C'est à nous de bien penser. Mais de l'autre côté, il y a des gens dont le travail, c'est la cybercriminalité. Et eux, ils ont pour objectif d'aller dans nos réseaux sociaux, par exemple, nous pirater, d'aller dans nos emails, nous pirater, d'aller dans nos téléphones, récupérer nos moyens de paiement et gagner de l'argent comme ça. Eux, leur travail, c'est de gagner de l'argent sur nous. Donc, ils vont utiliser tous les moyens qui sont à leur disposition, dont l'intelligence artificielle. C'est ce qu'il a dit. Madame Inès, donc... En fait, je vais vous expliquer un peu plus sur le sujet. Je vais vous expliquer un Donc, Benoît, qui nous dit qu'il y a déjà un silah de Haddain qui m'a dit face à l'Akbal. Mais en même temps, comme solution, aujourd'hui, Najmoun Storm, les solutions de sécurité, les antivirus, les Nahmiou Biohom téléphone, les ordinateurs, les protéger les appareils, les téléphones, les PC, les adresses, les mails, donc, les
solution de sécurité. Il y a une question que tout le monde se pose. On sait que quand on prend une photo, par exemple, elle, même si on la supprime, il y a toujours une trace. Comment se débarrasser de cette trace ? Il a beaucoup de photos compromettantes. Alors, il existe des moyens d'effacer de manière sécurisée les photos. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, la majorité de nos téléphones sont chiffrés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, sans un code spécial, accéder à ce qui est sur le téléphone. Contenu, ça comprend tout sur le contenu. Donc, normalement, quand vous prenez une photo et qu'elle reste sur votre smartphone, vu qu'il est chiffré, vous êtes tranquille. Par contre, si vous prenez des photos compromettantes et que vous les mettez, par exemple, en brouillon dans Instagram et que quelqu'un accède à votre compte dans Instagram parce que vous n'avez pas un mot de passe assez fort, elle a... on ne peut rien faire et malheureusement, ça va fuiter. On en voit beaucoup, hein, des leaks de photos. On a accédé au compte Instagram de monsieur, de madame. Ouais. Et voilà. Sinon, il y a une autre question. Tous les Tunisiens se posent cette question. On vous dit, parfois, on parle d'un sujet, on parle de voiture, par exemple, et deux minutes après, j'ouvre mon smartphone et je tombe sur des pubs de voiture. Est-ce qu'il y a une logique dans ça ? Alors, il y a une logique, mais la logique, elle n'est pas aussi directe que ce qu'on pense. Parce que, en fait, quand vous naviguez sur Internet, vous avez énormément de trackers, de tracking qui vont servir à la publicité. Et tous vos comportements sont analysés par l'intelligence artificielle, les données. Et parfois, ils vont prédire et où ils vont faire un faisceau pour savoir de quoi vous êtes intéressé. Donc, c'est lié à la navigation. Et c'est lié à tout ce que vous faites sur Internet. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez un smartphone, vous avez un ordinateur. Et en fait, quand vous allez l'utiliser, tout ça va se connecter et va permettre qu'on sache finalement presque ce que vous avez envie avant que vous le sachiez. Donc, il y a une question tout à l'heure sur le sujet, les solutions tout seul que les collègues de Narki fait mauvais à ساعات. أنا وصاحبي في قهوة نحل السمارتفون نلقى حكيت على كراهب نلقى بيب على كراهب حكيت على مريول نلقى بيب على مريول يقول لك لا راهي لي للنافيغاسيون كي تدخل انت وتجوجلي ساعات حاجات حتى تنسى فما برشا حاجات يعملوا دي ريكوبمون معناها في الوحود نتاعك انت كي كونيكت خوارزميات فوالا ويلقى من بعد هو يخرج لك لي برودوي. J'ai une petite question à vous poser. Nous, on s'inquiète pour nos enfants parce que d'un jour à l'autre, avec toutes ces créations astronomiques et d'une vitesse alors là à ne pas imaginer, est-ce que on s'inquiète parce que nos enfants ils s'éloignent d'un jour à l'autre de tout ce qui est palpable. Est-ce que vous partagez notre inquiétude ou est-ce que vous avez un autre avis ou... Ah, moi, je partage complètement l'inquiétude. J'ai une fille de 9 ans et une fille de 13 ans et je les accompagne sur la numérisation. C'est-à-dire que je leur donne, à la grande, à un téléphone, la petite, elle n'a pas de téléphone, à 9 ans, mais je lui dis, tu as un contrôle parental et pour moi, le plus important sur l'Internet, c'est protéger contre le contenu sensible, la pédopornographie, la pornographie, les pédophiles, les gens malveillants. Okay. Et après, c'est difficile de surveiller. Hein. Alors, en fait, il y a deux choses. Un, on parle, on explique. Et deux, on a un garde-fou. Et c'est ce que disait Inès. On a une solution qui est contrôle parental. Et cette solution, pour moi, elle a une fonction très importante. C'est le temps d'écran. Et elle a le droit à 45 minutes par jour pour le plaisir. Mais si elle a besoin de faire sa messagerie ou si elle a besoin de travailler, là, c'est illimité. Les 45 minutes, c'est scientifique, il ne faut pas dépasser 45 minutes. Non, c'est personnel, mais c'est personnel, ça dépend vraiment des enfants. Après, je sais que moi, elle aime beaucoup lire, elle aime beaucoup les puzzles, elle aime beaucoup les activités en plein air. Donc, elle arrive à se réguler toute seule, mais quand même, les applications, la seule chose qu'ils veulent, c'est qu'on reste sur l'application. C'est pour ça que ça scrolle et que c'est vraiment génial. Même moi, j'adore, je scrolle. Et en fait... même moi, il me faudrait un contrôle parental pour dire « Ok, maintenant tu arrêtes et tu fais autre chose. » Ben, il m'a demandé sur les petites choses, sur les craintes de nous, en lien avec l'admin qui est en train de se faire avec les smartphones, les tablettes ou autre. Ils ont dit « Le contrôle parental, tu parles avec les petites choses, tu fasses leur les craintes, tu parles et tu parles et tu parles. » Ou le contrôle, c'est à travers des applications, qui laisse, par exemple, le téléphone, il est fait après 30 minutes, après 40 minutes, il est fait pour le temps d'utilisation pour les petites choses.
الجامعات لو ريسك تينورم والخطر داهم والكلنا نعانيو فيه هالسمارت فون وهالانتليجنس ارتيفيسيال ولكن الاولياء مطالبين انهم يعملوا اكثر مجهود لي بارون دو فورنير بلوس ديفور سونيا دهمي نختم معاك سونيا لا dernière question vous disiez tout à l'heure que nos téléphones étaient chiffrés nos smartphones étaient chiffrés et qu'il fallait introduire un code pour avoir accès à nos données est-ce que cela suppose qu'une personne malveillante doit avoir le téléphone en main ou est-ce qu'on peut le faire à distance? Alors, malheureusement, on peut le faire à distance. On l'a vu sur un certain nombre de campagnes. Alors, soit d'espionnage personnel, c'est ce qu'on appelle les violences intrafamiliales. Hein, donc, une personne mal intentionnée qui installe un logiciel malveillant, les conjoints, etc., qui veut savoir où est sa conjointe, effectivement. Et puis après, il y a d'autres campagnes qui sont menées par des cybercriminels, des groupes qui vont aller placer des logiciels malveillants pour nous espionner. À distance. À distance. Alors, c'est assez difficile, mais c'est possible parce que bien souvent, on ne fait pas attention. Par exemple, vous installez une nouvelle application et l'application, elle vous dit « je voudrais accéder au micro, je voudrais accéder au contact, je voudrais accéder, etc. » Autorisé. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On a envie, donc on fait autoriser. Et ne pas autoriser. Voilà, par exemple, si vous avez une application populaire qui vous permet de savoir qui vous appelle, même s'il n'est pas dans votre carnet d'adresse, et ben, cette application, forcément déjà, elle sait tout sur vous. Parce qu'elle va avoir accès à votre carnet d'adresse, donc elle sait qui sont vos amis, est-ce que vous les appelez souvent. En fait, finalement, il y a une menace qui est celle des cybercriminels et il y a une menace qui est, entre guillemets, plus générale sur notre vie privée et la perception que l'on a, nous, de la vie privée. سونيا سألته على الكود ولا مخاطر قالت له المخاطر تنجم تكون من عبد يزمو يستعمل لك تليفونك ولا ينجم ولا يشدوا في يده ولا ينجم يكون عن بعد قال بون الاخطر ديما العبد القريب اللي يبدا عنده التليفون وينجم يحلو ويحط وينستالي حاجات ولكن الخطر من بعيد كمان موجود سي بلو ديفيسيل سي بلو كومبليكي ولكن دو لوان عن بعد كمان الامكانيه والفرضيه موجوده دونك اون دو فير تري اتونسيون شكرا لك مدام ايناس الخليفي شارجي دو كوميونيكاسيون Ezet Afrique francophone. Merci à vous, monsieur Benoît Greenwald, d'avoir accepté notre invitation. Je vous laisse 30 secondes pour un mot de la fin. Eh bien, les technologies sont une vraie opportunité, hein, ça c'est indéniable. Maintenant, on a nos enfants à protéger, on a notre vie privée à protéger. Donc, utilisons les nouvelles technologies. C'est ce qui nous permet d'être ici tous ensemble aujourd'hui, de pouvoir diffuser au maximum. Mais soyons conscients que ce n'est pas tout dans la vie et qu'il y a bien d'autres plaisirs à profiter qui ne sont pas derrière nos smartphones. Monsieur Benoît, il colle comme Bey. هي الانتليجنس ارتيفيسيال باهي تكنولوجيا سهلت لنا برشا حاجات في حياتنا ولكن ما فماش كان هذه فما اشياء اخرى في الحياه بروفيتيو منها بروفيتيو من جمال الحياه وما تخليوش روحنا ادكتد واليوم مدمنين للسمارت فون ولل لي تابلت وغيره ما عادش عندي وقت je finirai juste par un chiffre il y a une étude récente depuis que l'être humain utilise le smartphone le quotient la moyenne du quotient intellectuel a regressé de 2 points زياد من غير من قبل زياد déjà le fait qu'on ne retienne plus merci. rien salam ala monsieur merci Benoît. Monsieur Benoît soyez les bienvenus et on espère vous voir la prochaine fois شكرا لك مدام ايناس الخليفي chargée de communication Ezet Afrique francophone encore une fois merci beaucoup monsieur Benoît Greenwald expert en cybersécurité chez Ezet France et Afrique francophone شكرا لكم انتم اللي تابعتونا ملتقانا ان شاء الله غدوه في حلقه جديده رفماك كالعاده